c'est que j'en donnerai avec un petit principe de d'accord. La visite est gratuite. Quand on démarre, il va sonner une petite cloche, donc on va entendre. Ne risquez pas de l'écouter. Oui, t'as bien des choses là. On va démarrer d'ici 20 minutes. En attendant, vous pouvez. Chez nous, on n'utilise que des parfums et des couleurs naturelles. Donc si on veut faire des bonbons rouges ou roses, on utilise de l'extrait de betterave. Et pour les bonbons marrons, c'est du caramel, tout simplement. Alors j'insiste bien, tout ça sont des extraits. Pour faire les bonbons, hein. Faites pas la même chose à la maison. C'est ce qu'on appelle la table froide. On appelle la table froide tout simplement puisque cette table elle a deux épaisseurs et entre les deux épaisseurs de la table il y a un petit tuyau. C'est un petit peu d'acide naturel qui est extrait du raisin et qui va aciduler un peu notre bonbon. Là ça y est, on a mis tous les ingrédients, on va rien rajouter de plus. Ben, il va refroidir très vite ce sucre. Donc on referme. On va bien la mélanger cette table. On broie les sucettes à la réglisse. On va utiliser la poudre du bâton broyé, le suc de réglisse pour parfumer les bonbons. Et on n'a plus qu'à démouler. Ça, c'est la technique des bonbons en sucre coulé. Par les rayures et les traits sur les bonbons, ce sera la décoration des bonbons et des sucettes. En fait, c'est juste pour faire joli. Et ces rayures, on ne va pas les faire une par une sur les bonbons, hein. Ce serait trop long. On va les faire tout en même temps. Et c'est parti. Alors on va bien s'appliquer puisque ces rayures, on va les retrouver sur chaque bonbon, sur chaque sucette. Et une petite astuce, je vais l'enrouler. Et voilà un gros bonbon à la brico. Alors cette machine, elle s'appelle la rouleuse. Et vous avez déjà compris pourquoi. Parce qu'elle va rouler le sucre tout simplement. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Elle va commencer à donner sa forme à notre bonbon. Ça, c'est sa première mission. On va l'allonger, on va l'étirer. Qui s'appelle la berlingotière, qui va donc vous permettre de faire les berlingots. Bonne réponse, merci. La berlingotière, la machine, elle a été inventée une trentaine d'années avant pour faire la forme du bonbon, la forme du berlingot. Et ils ont fait beaucoup moins la forme. Au ciseau, ça va beaucoup moins vite. Et voilà comment avec la même pâte on va faire les petites sucettes. Un escargot. Un escargot. Un escargot. Cette sucette, on peut aussi la faire tourner. Et voilà, tire bouchon. Bravo, c'est la fleur, c'est la rose. Et bien c'est parfait. Alors je vous invite à poursuivre par le couloir qui est juste ici, vous verrez l'autre atelier de fabrication et au passage pour déguster un berlingot à l'abricot. Voilà, il termine. Je vais faire tout le dire.